Yo tout le monde, on est toujours sur train. Petit tuto encore pour vous. Merci à tous de me soutenir, de laisser des likes et tout. Voilà, vous avez mes réseaux sociaux en description, n'oubliez pas. Donc aujourd'hui, on est sur train encore. Et comment prendre le T-Main, mettre de la pression un peu sur l'XT, voilà, sur la partie XT. Donc il faut que vous compreniez que bah, si vous avez un pote, déjà c'est pas trop mal, d'accord? Il faut qu'il vienne là sur le bidon et le trait ici au-dessus des barbelés. Voilà, c'est la plus instante possible pour sortir XT. Ça veut dire que c'est la flash qui va vous permettre un petit peu de décaler ici, etc. Les lignes à wap, etc. vont prendre un voile et vous allez être un peu sec. Donc c'est intéressant de le faire. Sinon, tant pis, vous vous la mettez vous-même juste comme ça. Voilà, vous montez sur le petit wood, vous décalez la ligne rouge, décalez la ligne sandwich ici. Là, vous sautez la ligne, d'accord? En sautant la ligne, vous prenez l'info s'il y a des mecs au-dessus du train. S'il n'y a rien, vous venez contre le wood, la box, tout ça, là, et vous visez la poutre en fer. Vous mettez la mollo qui va vous permettre de dézoner totalement le sandwich et qui a un danger assez commun. Et donc après, bah, le mec va certainement sortir à droite quand vous êtes là. Ensuite, voilà, vous mettez flash comme ça et vous décalez ici et il n'y aura rien. Voilà. C'est petite pression XT à vous tout seul avec une mollo, une flash. Déjà, vous pouvez faire un truc bien. Et si vous voulez le faire juste en sortant ou quoi, vous pouvez venir ici. La petite tache noire qui est là, parce que je vois quand même pas mal de monde rater la smoke sandwich. En gros, c'est ça. D'accord? C'est cette tache noire, c'est la démarcation du bois. C'est du bois? Ouais, je sais pas, du toit en tout cas. Donc vous allez venir là, vous allez viser cette tache noire, mettre une flash. Voilà, donc la smoke a popé. La smoke a popé. On saute, on prend, on met encore une mollo, une flash. Voilà, la flash ici va éliminer la ligne Z, etc. Ce qui va vous permettre de sortir un petit peu, faire un petit sneaky move. Comment mettre une petite pression XT? Voilà, comme ça. Si vous voulez faire le move en entier, vous le faites en entier. Si vous voulez le faire en mode décomposé, vous le faites en mode décomposé. Si vous avez un pote qui peut vous assister, c'est-à-dire qui vous met smoke, flash, flash, et que vous avez que à venir là directement en mettant mollo, comme ça vous savez qu'il n'y a rien. Vous mettez toujours cette flash, d'accord? Parce que cette flash, c'est quand la flash pète ici, d'accord? Un mec ne prendra pas la flash, en gros, s'il est là. Genre, elle est trop loin, elle pète genre vraiment ici, donc elle est trop loin. Alors que l'autre, elle pète vraiment ici, donc là, le mec qui a la ligne à la WAP serait totalement blanc. Donc voilà, comment mettre un peu la pression XT tout seul? Voilà, moi je le vois plutôt comme ça. Et bien évidemment, il y a un deuxième move qui est intéressant que je vous montre. C'est les smokes électriques et tout. Donc on vient ici. Cheminée là. Et tout en haut jusqu'au barbelé. Voilà, petite smoke électrique. Super importante. Voilà, donc avec une smoke électrique, une smoke sandwich, déjà vous bloquez totalement les visus des CT ici. Donc il va vouloir se repositionner, il va être bloqué ici, il va vouloir accélérer là, il va être mollo ici. Donc voilà, si vous êtes deux, déjà vous mettez un petit combo de smoke sandwich, smoke électrique comme ça. Smoke sandwich comme ça, un peu de flash, déjà vous mettez pas mal d'activité, ça va faire tomber beaucoup de stuff des CT. Et ça va vous permettre de mettre de la pression sans prendre trop de risques. Voilà. Et comme ça vous fait un safe passage. Voilà, en montant après sur les trains, vous pouvez jouer un petit peu à la game. Voilà, sur le bleu. Ou alors vous infiltrez tout simplement dans vos smokes et flasher dedans ou accélérer, exploser. Des trucs comme ça. Donc c'est intéressant. Et une smoke pour le connector, on me dit dans le chat. Allez hop, je vais vous la donner. Vous venez entre les deux, ici, et vous visez tout ça. Voilà, tout simplement. Smoke pour le connector. Voilà, c'est les smokes un peu essentiels, quoi. C'est ce que je trouve un peu d'intéressant. Ça sert à rien de que je vous montre des stuff comme ça et tout. Enfin, même si là, ben, voilà, si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu des stuff. Voilà, milieu BP, ah, elle est ratée, milieu BP, droite de BP, tout ça. Mais je trouve pas ça intéressant. Enfin, c'est des exécutions, c'est des trucs qu'on travaille un peu en équipe.
Je trouve que maintenant les gens jouent plutôt solo, duo, en trio, vite fait quoi, et que vaut mieux faire un tuto comme ça où ça va vous permettre de mettre une pression à vous seul ou alors à deux personnes et être efficace, ne serait-ce qu'avec un peu de stuff quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer, mettez un like, abonnez-vous, partagez à fond, parlez-en. Voilà, mes réseaux sociaux sont en description si vous voulez me soutenir, ça me fait plaisir. Un follow sur Instagram, Twitter. Donc big up à vous tous. Ciao.